Monsieur le représentant de Madame le maire de Lille, mesdames et messieurs les élus et responsables politiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs mes chers amis, monsieur Alain Boer. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille la bienvenue dans notre synagogue. Et on ne peut pas diviser le monde entre gentils et méchants. Chacun défend les valeurs auxquelles il croit. Mais défendre une idée ne doit pas autoriser à l'imposer de force à autrui. Terrorisme, un mot hélas banal dans notre vocabulaire. Mais connaissons-nous réellement sa signification ? La France saura redevenir l'une des lumières du monde, l'un des pôles de la pensée universelle. J'ai confiance en notre victoire. Et j'ai l'espoir pour l'avenir de nos enfants, parce que la France est généreuse et magnifique, par son histoire, sa culture et sa diversité. Oui, soyons confiants dans l'avenir de notre pays. Et comme le dit si bien M. Alain Boer, les citoyens peuvent résister au terrorisme. Nous pouvons résister. Cher Monsieur Alain Boer, nous vous sommes d'autant plus reconnaissants d'être venus à nous qu'à la lecture de votre curriculum vitae, on se demande si vous avez plusieurs vies. Vous enseignez auprès des universités Paris 1, Paris 5, de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et de l'école nationale supérieure de la police. Vous êtes détenteur de la chaire de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers. Personne n'a jamais réussi à définir précisément ce qu'est le terrorisme. Et quand j'ai fait le recensement dans un tout petit ouvrage chez Dalloz de toutes les explications, dénominations, définitions du terrorisme, je me suis arrêté à un peu plus de 300. Elles sont en général compatibles, parfois contradictoires, complémentaires, mais personne n'est jamais d'accord sur la définition du terrorisme parce que, eh bien, il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. Historiquement parlant, la France, qui est un grand et beau pays, a réussi sur la question terroriste à peu près tout inventer puis tout expérimenter. C'est même un produit à l'export. Nous avons inventé le concept, 1793, nous l'avons appliqué avec détermination, et nous avons à peu près tout essayé depuis, sur place et ailleurs. Nous avons inventé le concept, et à l'époque, il faut bien le dire, le terrorisme n'est pas un terrorisme des pauvres contre les riches, des dominés contre les dominants, mais un terrorisme de l'État central majoritaire contre son opposition. Jusqu'à 1989, ce terrorisme-là est un terrorisme purement politique, il est singulier. Deux opérateurs dans le monde le gèrent, Washington et Moscou. C'est un terrorisme pouce-bouton, on-off. Quoi qu'il se passe dans le monde, à 99%, il faut que Washington et Moscou soient d'accord et fournissent des armes, des moyens de transport, des vrais ou des faux papiers, des explosifs, des camps d'entraînement, bref, et permis que ça se passe parce qu'il s'agit d'une confrontation générique qui permet de régler toute une série de conflits liés au colonialisme et à la décolonisation, liés à des revendications territoriales, nationales, théologiques. Mais il y a à chaque fois un motif politique. Tout a changé lors d'un épisode particulier qui est resté dans nos mémoires en 1989. En 1989, la chute du mur de Berlin, le rétrécissement de l'ancienne Union soviétique, a amené mécaniquement à la disparition d'un des deux grands acteurs. Et immédiatement, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton off, le terrorisme traditionnel dit gauchiste, anarcho-gauchiste, occidental, disparaît. Et depuis des années, nous essayons désespérément d'éliminer Al-Qaïda en l'éliminant par le haut. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ils sont toujours là. On en a éliminé entre 10 et 15 000, ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que ce n'est pas une pyramide, mais une nébuleuse. La nébuleuse n'a pas de tête, elle a un cœur. Et par ailleurs, une fois sur deux, en fonction de la semaine, ce sont nos alliés en Syrie contre les autres méchants djihadistes qui sont encore plus méchants de l'État islamique. Ça ne facilite pas la vie. Quand on n'a aucune idée de qui est son ennemi, il n'y a aucune chance qu'on arrive à l'éliminer. Plus on tire en haut, moins on le tue, puisqu'il n'y a rien en haut. Le problème, évidemment, c'est que les Kurdes sont nos amis quand ils sont en Irak, mais ils sont des perturbateurs quand ils sont en Turquie. Bref, tout le monde se hait avec une détermination tout à fait remarquable et personne n'est d'accord avec rien. C'est d'ailleurs le seul endroit dans l'histoire géostratégique du monde où les amis de nos amis sont rarement nos amis et les ennemis de nos ennemis ne le sont pas non plus. À force de ne pas comprendre ce qu'est la réalité de l'adversaire, nous avons beaucoup raté de choses.
Depuis 1945, on analyse de manière assez précise les échecs. Il y a des commissions d'enquête secrètes, officielles, publiques, semi-publiques, qui diffusent pas. Pour des raisons intéressantes, j'ai été regarder toutes les conclusions de toutes les commissions d'enquête disponibles sur des attentats. Et c'est très étonnant car, quelle que soit la langue utilisée, elle se termine mécaniquement par les trois mêmes recommandations. 1. On savait tout ou presque. 2. Pour de mystérieuses raisons, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Anglais et les Américains ont même une formule magique, « We did not connect the dots », on n'a pas connecté les points. Et 3, ça serait quand même mieux si ça ne se reproduisait pas. Évidemment, ça continue à se reproduire parce que nous avons un problème. Ce problème, il est lié à la nature réelle de l'antiterrorisme. Pas en France, en Occident. L'antiterrorisme en Occident n'existait pas. Il n'a jamais existé. Ce qui existait en Occident, c'était du contre-espionnage. Parce que l'alpha et l'oméga du contre-espionnage, c'était l'espion rouge. Il a fallu attendre les années 70 pour que Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, convoque le directeur de la DST de l'époque et lui dit, tiens, monsieur le directeur, alors voilà, les attentats gauchistes, tout ça, le machin, l'armée rouge, NAPAP, Gary, tous ces trucs bizarres là, ça serait bien que vous me créiez une petite unité antiterroriste. Le directeur de la DST rentre à son bureau, convoque ses adjoints et dit, le ministre est sous influence, il veut nous détourner de notre mission prioritaire. Il va oublier. 15 jours se passent, le ministre reconvoque le directeur de la DST. Il a deux qualités, Marcellin, il est breton, donc têtu, et on en a un autre là qui est pas mal dans le genre. Et donc, il dit, bon alors, ma petite unité antiterroriste, monsieur le directeur. Le directeur lui dit, bon, monsieur le ministre, c'est pour nous de faire ça, filez ça au RG, à qui vous voulez, c'est une affaire de flic. Déjà, vous nous avez cassé les pieds avec l'OAS, mais enfin, au moins, c'était l'intérêt de l'État. On est revenu à une formule normale, on va continuer. Et Marcellin lui dit, mais bien sûr, monsieur le directeur, les terres australes françaises, Clipperton, le Grand Air, vous allez adorer. Je pense vous faire nommer dès la semaine prochaine. Le directeur rentre à la maison, un peu dépité, dit, bon, bah là, je crois qu'on va être obligé d'y passer. Et son directeur de cabinet, qui a écrit ses mémoires, c'est pour ça que je peux vous en parler, dit, bah en fait, monsieur le directeur, c'est pas si con. Le directeur de la DST regarde son directeur de cabinet et dit, vous aussi, c'est contagieux, problème. Il dit, non, c'est pas si con, parce que toutes les organisations gauchistes qui agissent en Occident sont manipulées par Moscou. En fait, c'est une forme de contre-espionnage par d'autres moyens. Et donc, pour de très mauvaises raisons, la DST décide d'inventer une unité d'antiterrorisme. Évidemment, ça ne sert à rien, puisque si tout ceci est très efficace contre Al-Qaïda, ça ne voit ni l'attentat de la rue des Rosiers en 83, ni les attentats iraniens en 85-86, ni Khaled Kelka et les Algériens en 95-96. Ça voit parfaitement Al-Qaïda, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées dans l'épisode suivant. Et évidemment, ça ne comprend rien à la série Mera, Bruxelles, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc.